toujours les petits loups. Bon, là, le temps, il fait beau, mais il n'y a pas de soleil, mais il fait chaud. Il fait lourd, 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 de chez lourd. Il fait vraiment chaud. Donc, voilà. Là, j'ai fait à manger. Je vais vous montrer ce que je viens de faire, là. Bon, je viens de faire des nuggets que j'ai mis au four. Hein. Ça y est, ils sont cuits. Hein. Ils sont bien croustillants. J'ai fait des nuggets. J'ai fait des haricots verts avec des œufs. Voilà. C'est encore tout chaud. Voilà ce que j'ai fait à manger. Il y a une rafale cette nuit, hein. Je vous raconte pas. Donc voilà, là, les fleurs qui tombent sur le jardin, les pierres. Là, il faut ramasser tout ça. Regardez, plein de feuilles, les roses là, qui tombent. C'est catastrophique, ça, encore. Il y en a partout. Voilà. J'ai ramassé quand même un peu. Hein. Bon, là, il faut que je ramasse tout ça aussi. Voilà, là, on a notre maison qu'on a fait. On va nettoyer tout ça. On va ramasser, quoi. On va nettoyer. C'est un grand mot. Ma maison. Voilà, fermée. Voilà. On ferme ma maison. Je vous raconte pas l'orage, ça a pu, ça va. C'est pas rentré. Bon, faut que je fasse un coup d'aspirateur à l'intérieur. Maintenant, j'ai deux maisons, à l'intérieur et à l'extérieur. Plus de boulot, mais bon, ça va quand même. Je ferme mes fenêtres. Voilà les petits loups. On va ranger un peu tout ça là. En plus, j'ai rangé, hein, mais bon, j'ai pas fini, mais j'ai rangé. J'ai acheté ça, je sais pas si vous connaissez, c'est 8 euros les 4, ça s'achète en pharmacie. Hein. Et normalement, si tu as une ordonnance, c'est remboursé. Hein. Ben, je vous conseille pour les gens qui en veulent, ben, allez demander une ordonnance. Ça vous évite de les acheter, bien sûr. Voilà, ça se vend par 4. Bon, allez, je vais m'asseoir dans mon transat, je vais discuter un peu avec vous. Discuter, c'est un grand mot. Juste mettre les choses en point. Hein. Je voulais vous dire. Hein, les personnes qui critiquent, comme d'hab, ça ne change pas. Si vous n'aimez pas ma façon de manger, ma façon de faire, ne me regardez pas, s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande, ne me regardez pas. Si c'est, ne dites pas oui, tu t'exposes sur YouTube, t'es obligé d'avoir des critiques. Oui, bien sûr, mais des critiques sur ce que je mange, sur ce que je fais ou compagnie, non. Là, c'est pas des critiques, ça, je suis désolée. J'ai pas le droit de recevoir des trucs comme ça. Déjà, vous savez pas ce que je mange, vous savez pas ce que je fais, vous savez pas ce que j'achète, vous savez pas on est combien dans la famille, vous ne savez, vous parlez dans le vide. Bref, c'est juste une parenthèse, c'est juste pour vous dire, les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, hein. De toute façon, c'est toujours les gens qui n'ont rien à faire de leur vie que leur, qui critiquent, voilà. Oui, regardez la vie. Les petits loups là, on est en train de vider l'eau de l'aquarium, comme vous voyez. Regardez comment il est sale là, on va le vider. Et on va changer l'eau. L'eau, elle salit facilement, hein, franchement. Et vite fait. Hein. Voilà, voilà. Regardez, il y a même de la terre. Ça, c'est la terre qui est là, bien sûr. Voilà. Voilà. Oh, c'est bon. Voilà, là, on vide. Voilà. Là, on remplit avec de l'eau. Hein. Voilà, on va prendre plein de bouteilles d'eau. Bah, faut remplir avec de l'eau. Hein. Je sais, mais bon. Donc voilà, ouais, j'ai acheté un établi sur le bon coin. Bon, j'ai tout mis par terre comme ça. Je vais le monter et je vais vous montrer ce que ça donne. Il est comme neuf. Hein. Bon, à tout à l'heure. On va essayer de monter ça sans la notice. Hein. Bon, allez, souhaitez-moi bon courage. Bon, ça ne doit pas être un truc de fou non plus. N'abusons pas. Bon, allez, je vous donne le résultat tout à l'heure. Là, ce que ça fait, je l'ai monté au fait. Bon, là, il est en train de jouer, hein, faut que je ramasse. Voilà ce que ça fait. Bon, il y a plus d'éléments. Hein. Ils sont là-dedans. Et il y a la perceuse. Bon, la perceuse, normalement, il faut mettre un truc à l'intérieur. Il est ici. Voilà, et ça, sur Amazon, je l'ai vu, il était à 62 euros. Et moi, je l'ai acheté sur le bon coin pour 30 euros. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, normalement, faut mettre les boules. Là, on met des boulons et on accroche comme ça. Les trucs comme ça, ça s'accroche. Bon, c'était accroché, mais il les a enlevés. Voilà en gros ce que ça donne. Pas mal, hein? Un petit établi. Bon, et puis là, je viens de récupérer un colis. On va voir ce que c'est. Comment je vais
Je ne sais plus ce qu'on commande. Voilà ce que c'est. On découvre en même temps. Ah, d'accord. Attends, je crois savoir ce que c'est. Ouais. C'est une petite piscine que j'ai achetée sur Amazon. Non, pas Amazon. Sur. Comment on appelle ça? Cdiscount. Voilà. Je l'ai acheté parce qu'il y avait le petit toit là pour le soleil. J'ai payé ça 24, on va dire 25 euros. Et 1,57 m sur 1,22 m. On va voir ce que ça donne cette petite piscine. Voilà. Elle est lourde. Hein. Et les lourdes. Bon, je sais pas pour vous, mais moi avec les machines, j'en peux plus. Hein. Là, il me reste 3 minutes. Je passe ma journée à faire des machines. Là, j'ai encore du linge. On va faire du machine, on va un petit peu ranger, hein, comme d'hab. Hein. On ne change pas. Hein. Si c'est pas les machines, c'est pas le ménage ou la nourriture. Voilà. Bon, la lessive, soit c'est extra, hein, avec ça, l'énorme, l'adoucissant, ou soit le chat. Bah, moi, je prends quand il y a des promos. Hein. Mais en général, moi, je préfère l'Ariel. Mais bon, il n'y a pas de promo d'Ariel. Sinon, moi, je prends Ariel quand c'est en promo, hein, c'est tout. Et quand il y a des promos comme ça, bah, je prends ça. Hein. Voilà. J'ai pas vraiment une lessive précise. Hein. Je regarde les promos. Regardez mon eau. C'est catastrophique, franchement. Et pourtant, on change. Hein. Tous les 15 jours, on change l'eau. Hein. On achète les bouteilles d'eau. Hein. Mais là, on a commandé un filtre, je sais pas quoi. On a commandé un truc, là. Et on va enlever tout. Parce que là, on a mis des vraies plantes. On va enlever toutes les plantes, on va le vider carrément, on va mettre des plantes en plastique, parce que là, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, c'est impossible. Voilà, vous avez vu l'eau? Et pourtant, on nettoie, hein, tous les 15 jours, hein, mais bon, on va voir, on attend juste la commande qui arrive pour pouvoir nettoyer tout ça. De toute façon, je vous montrerai comment on va. Si j'ai le temps, je vous montre si je suis là, et si j'ai le temps, normalement, je dois être là. Je vous montrerai comment comment on l'a vidé, comment on va jeter toutes les plantes. Moi, je vous conseille de ne pas mettre des vraies plantes. Hein. Mettez des plantes en plastique, c'est mieux. Après, c'est mon avis, je ne sais pas. Donc voilà, les petits loups. Mais c'est vrai, l'eau a fait peur. Hein. Je vais faire mes machines. Ensuite, voilà. Et en plus, moi, je ne suis jamais débordée dans les machines. Hein. Je fais toujours mes machines au fur et à mesure. Hein. C'est le pire. Je me laisse jamais déborder. Bon, les petits loups, hein, on va pas filmer tout mon petit ménage, là, parce que là, il y a du boulot à faire. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les petits loups. Bye, bye. Bon, on va vider tout ça. On va en faire une deuxième et après, normalement, c'est bon. Normalement, c'est jamais bon. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à faire, ça, c'est sûr. Mais bon, allez, bisous.